L'enseignement. Nous allons prendre notre passage de tous les jours, Apocalypse chapitre 5. Nous allons commencer au premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vraiment un plaisir à chaque fois que nous venons ici pour écouter ces choses. Comme nous savons, nous venons du travail fatigué, mais nous, nous sommes là. Et pourquoi seulement nous et pas les autres? Vraiment que Dieu bénisse chacun. Nous allons lire une écriture dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 8 nous dit quelque chose de très important qui concerne l'homme sur la terre. Ecclésiaste 8, au verset 8, dit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ses combats. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Amen. Amen. La Bible, nous savons que c'est la parole de Dieu. Si nous venons ici, nous venons prier, alors que le monde est en train d'évacuer à ses occupations, c'est parce que il y a quelque chose qui nous anime, qui fait que nous puissions chercher Dieu ou nous approcher de Dieu. Ça, c'est très important. Sinon, mais avec cette fatigue du travail, nous serons chacun de nous rester chez nous à la maison. Ou bien faire tout ce que les autres font. Mais c'est plus fort que nous. Il y a quelque chose qui nous attire vers Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est très important de le savoir. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Vous avez vu l'actualité, parle de ces sportifs qui sont morts. C'est-à-dire, quand ils sont montés dans l'hélico, si on leur avait dit, dans 10 secondes tu vas mourir, personne n'aurait pas cru cela. Amen. Amen. Mais nous savons que
Sur la terre, rien n'est un hasard. Tout ce qui s'est fait, c'est Dieu qui le fait. Amen. L'auteur de toutes choses, que ce soit le mal, que ce soit le bien, c'est Dieu. Ça, c'est très important. Il est le maître suprême qui coordonne toutes choses. Sur la terre, il y a des gens qui se disent être des athées. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais quand le soir vient, leur corps leur dit d'aller dormir. Et ils vont dormir. Sur toute la terre, il va arriver que l'homme sente la fatigue qui va l'amener à dormir. C'est-à-dire ton corps parle. Ton corps va te dire non, tu dois dormir et tu dors. Quand tu vas te réveiller le matin, tu verras le soleil qui va se lever aussi et se coucher le soir comme toi. Seulement l'homme part, l'insensé qu'il est, il va dire que non, tout ça c'est un hasard. La Bible dit qu'ils sont déjà jugés. C'est-à-dire que c'est la nature déjà qui les juge. Parce que nous voyons que tout ce qu'il y a dans la nature est bien agencé. Amen. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a agencé toutes ces choses. Voilà pourquoi la Bible nous révèle celui-là qui est caché que nous ne voyons pas. Amen. C'est-à-dire que si nous sommes là, si nous avons ce désir-là de chercher quelque chose que nous ne comprenons pas, c'est-à-dire que c'est ce Dieu-là qui met cela en nous pour que nous puissions les connaître. Amen. Amen. C'est très important. C'est pourquoi nous croyons qu'il y a un Dieu qui a fait toutes ces choses. Nous sommes en train de suivre l'enseignement de l'Apocalypse. Sur la terre, quand on dit Apocalypse, ça fait trembler. Tout le monde voit les calamités. Parce que les calamités arriveront. Amen. Tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse arrivera. Amen. Parce qu'aucune parole de Dieu ne restera sans s'accomplir. Mais nous ne sommes pas encore au temps des calamités. Pour nous, l'Apocalypse, c'est tout simplement les résumés de toute la Bible. Certains disent que l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. C'est bien. Mais pour nous, l'Apocalypse, ce n'est pas le dernier livre de la Bible. Parce que la Bible n'a pas un premier livre ni le dernier. Non. Les premiers livres se retrouvent dans les derniers. Les derniers se retrouvent dans les premiers. La Bible, en réalité, c'est un seul mot qui est sorti de la bouche de Dieu. Amen. Ce sont les hommes qui ont pris, qui ont commencé à diviser les livres, les chapitres et les versets. Mais c'est un seul mot qui est sorti de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi Dieu insiste qu'il ne faut rien ajouter à ça. Qu'il ne faut rien retrancher. Comme vous savez, nous prêchons l'évangile éternel. Et l'évangile éternel ne s'appuie pas seulement à la Bible écrite. La grâce que nous savons que pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, il faut qu'il y ait des témoignages de la chose. Ainsi, Dieu nous avait donné d'abord la première Bible avant celle-ci. Il a utilisé la parole et il a créé. Voilà pourquoi tout ce qu'il a créé est resté en place. Il continue toujours le même enseignement jusqu'à la fin. C'est-à-dire, le soleil que nous voyons, c'est le même soleil qu'a vu Adam. Vous comprenez? Les arbres que nous voyons, ce sont les mêmes arbres qu'a vu Adam. Adam est passé. Mais la nature continue, parce que la nature doit continuer à nous enseigner jusqu'à la fin. Amen. Pour nous permettre
de connaître cet homme-là qui est mystère. Amen. Amen. C'est pourquoi l'évangile éternel s'appuie à cette Bible et à la nature. Parce que comme c'est la même parole, donc elles doivent dire la même chose. Et nous ne les répéterons jamais assez. Amen. Amen. Si nous, nous savons cela, c'est ça la grâce que Dieu nous a faite pour que nous puissions découvrir la vérité. Parce que l'homme sur la terre se pose des questions. Ecclésiaste nous dit que la vie sur la terre n'est que vanité. Remarquez, aujourd'hui, chacun de nous s'est levé. Nous sommes partis au travail. Nous sommes venus ici. Nous allons manger, dormir. Demain, nous allons encore nous réveiller. Faire des choses. Le soir, dormir. La vie n'est que monotonie. Amen. Toujours lui, Salomon, il dit que l'homme se donne la peine durant sa vie. Nous travaillons, nous amassons des richesses. C'est Steve Jobs, hein, qui a fait le Apple. Il a laissé des milliards. Il est parti. C'est-à-dire que l'argent qu'il a amassé, c'est les autres qui vont en profiter. C'est à ça que Salomon a résumé la vie de l'homme. C'est-à-dire les vanités. Nous courons, nous marchons, nous faisons tout, nous mangeons. La finalité est que nous allons nous retrouver à la tombe. J'aime toujours dire souvent que les gens qui sont au cimetière sont plus nombreux que ceux qui sont sur la terre. Amen. Et nous tous, nous sommes en route pour le cimetière. Et personne ne peut arrêter cela. C'est ça la condition de l'homme sur la terre. Voilà pourquoi Salomon a trouvé que c'est une vanité. Amen. C'est important que nous puissions parler de ça. Parce que l'Apocalypse, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le résumé, en fait, de le pourquoi nous sommes sur la terre. La condition de l'homme. C'est ça. Dieu, dans l'éternité, il a eu un dessin, une pensée. Que je vais faire ceci, cela, jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit que c'était un architecte. Avant que l'architecte construise, il doit faire un plan. Si un architecte venait construire, faire construire une maison, sans plan, on va les chasser. Hein? Pour les gens qui connaissent les bâtiments, en tout cas, même les voitures, pour les construire, il y a toujours des plans. Alors ça, c'est une image qui nous montre Dieu. Dieu a conçu un plan. Qu'il allait un jour créer les anges, créer l'homme, le déroulement de tout ce que nous vivrons sur la terre jusqu'à la fin. C'est l'Apocalypse. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Apocalypse, ce n'est pas le dernier livre. Non. C'est le premier, c'est le millier, c'est le dernier. C'est toute la Bible. Voilà pourquoi Dieu nous a bénis. Pour que nous puissions connaître cela, afin que nous, nous n'ayons plus peur. Quand on nous dit Apocalypse, bon, Apocalypse, nous savons ce que c'est, l'Apocalypse. Amen. Amen. Nous allons rentrer maintenant dans le premier livre pour certains, Genèse, pour essayer justement d'apporter certains éléments qui nous permettent de comprendre l'Apocalypse ou l'enseignement en cours. Nous allons prendre donc Genèse 1.
Nous allons commencer au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meut sur la terre. Ça, ce sont les origines de l'homme, c'est-à-dire de notre présence sur la terre. Parce que l'élément central sur la terre, c'est l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé aussi les animaux et les autres. Mais dans la pensée de Dieu, l'élément central, c'est l'homme. Amen. Amen. C'est important que nous le comprenions. Nous allons avancer petit à petit pour mieux cerner l'homme, la venue de l'homme, et nous allons mieux comprendre l'Apocalypse. Nous allons maintenant aller au chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu donne maintenant la vie à l'homme. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Quand Dieu forme l'homme, nous savons qu'il a formé l'homme au sixième jour. Il ne laisse pas l'homme comme ça. Dieu crée un jardin. Il plante les arbres. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, il prend l'homme qu'il a créé, il le met dans le jardin. Quel privilège! C'est-à-dire, Dieu, il avait son bien. Amen. Le jardin d'Éden lui appartient. Le jardin d'Éden était un royaume. Et Dieu est le roi de ces royaumes. Ça lui appartient. Amen. Amen. Étant le roi de ces royaumes, il a la souveraineté sur tout. Hein? C'est-à-dire, si Dieu dit quelque chose dans le jardin, personne ne peut le révoquer. Ça doit arriver comme ça. Parce qu'au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Il est le roi. Ah, bien-aimé Félix. Amen. Il ne faut pas faire comme ça. C'est passionnant, c'est tout. Ah. Voilà pourquoi il vient maintenant. Il ne laisse pas l'homme comme ça. Pour montrer à l'homme que c'est lui le roi de ce jardin, il vient maintenant vers l'homme. Nous sommes au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Les propriétaires du jardin donnent un ordre à l'homme. Il lui prévient.
que dans les jardins, il faut faire attention. Parce qu'il y a la mort et la vie. Les jours où tu mangeras de l'arbre de la connaissance des biens et du mal, tu mourras. Le mot mort est sorti de la bouche de Dieu. Amen. C'est la première fois que l'homme entend ce nom-là. Il ne connaît pas ce que c'est la mort. Il a été planté dans le jardin. C'est comme un fils qui hérite les biens de son père, hein, qui est riche. La vie est rose. Vous comprenez? Et souvent, ces fils-là, ils font toujours des bêtises. Parce que c'est quelque chose pour lequel il n'a pas souffert. On prend soin souvent de la chose à laquelle tu as sué. Mais quand tu hérites de quelque chose, tu ne vas pas voir l'importance de la chose. Alors le mot mort sort de la bouche de Dieu. J'avais dit l'autre fois que Dieu, en réalité, il disait à Adam que, attention, les jours où tu mangeras, je te tuerai. Parce que c'est lui qui est le souverain dans le jardin d'Éden. Au-dessus de lui, il n'y a personne. C'est lui qui ordonne à la mort et à la vie. Comme aujourd'hui. Personne ne peut mourir sans que cela ne vienne de Dieu. Sinon, il n'est pas Dieu. C'est pourquoi nous avions dit que nous ne prions pas le Dieu, un Dieu qui a eu une idée, bon, je vais créer l'homme pour qu'il vive éternellement dans le jardin d'Éden. Ensuite, il était distrait, le diable est venu par derrière, il a fait tomber l'homme. Non. Nous ne prions pas ce Dieu-là. Il n'est pas Dieu dans ces cas-là. Vous comprenez? Nous, notre Dieu n'est pas distrait. La Bible dit qu'avant que quelque chose n'arrive, lui, il l'a prévu. Il ne l'a pas prévu ici sur la terre. Non. Il l'a prévu dans son dessein, dans son plan. Il annonce des choses et les choses arrivent par après. Comme il les a annoncées. C'est ça le Dieu que nous prions. Amen. Alors l'homme, en réalité, Dieu savait déjà que un jour l'homme devra passer par là. Et nous avions dit l'autre fois que Dieu, dans ses attributs, il est aussi sauveur. Dieu, dans ses attributs, il est aussi colérique, comme tout père. Nous avions lu l'autre fois le verset des Hébreux qui montre qu'un bon père châtie son enfant par son amour. Parce qu'aucun père sur la terre ou mère ne laissera son enfant faire des bêtises et devenir délinquant. Non, on va t'appeler mauvais père. Ça, c'est l'ombre qui nous montre le vrai Dieu. C'est-à-dire, étant le vrai Dieu, il ne peut pas laisser son enfant comme ça quand il fait des bêtises. Il doit venir bénir. Vous voyez ça? Donc, en Dieu, il y avait aussi la colère, la manifestation de la colère. Mais si son enfant ne fait pas des bêtises, Dieu n'allait jamais manifester sa colère. Amen. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il doit créer l'occasion pour que sa colère se manifeste. Il doit créer l'occasion pour que sa miséricorde se manifeste. Sinon, si l'homme n'avait pas chuté, on n'allait jamais savoir que Dieu est miséricordieux. Dieu est colérique. Amen. Maintenant, Dieu, roi, qui est souverain, c'est un lion.
c'est un lion. Parce que c'est le lion qui est le roi dans la forêt. Personne n'avait fait l'élection pour choisir le lion au roi. Mais tous les animaux comprennent bien que non, la royauté c'est lui. Alors les gens qui disent que non, Dieu n'existe pas, ils ont des problèmes. Parce que les animaux les accusera. Mais vous ne voyez pas que même nous, dans la forêt, mais nous avions un roi. Quand il grondait, tout le monde respect. Vous comprenez? Parce que Dieu est un roi. Dieu n'est pas démocrate. C'est-à-dire tous les systèmes que nous voyons, des systèmes présidentiels, c'est diabolique et satanique. Voilà pourquoi tous ces systèmes disparaîtront. Les royautés reviendront. Amen. Voilà pourquoi Jésus est un roi. Et il reviendra comme roi sur la terre. Il régnera sur la terre. Amen. Amen. Donc Dieu qui est roi, il est un lion. Alors, quand maintenant l'homme pêche, parce que le problème c'est celui-là. Il avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu meurs. Tu meurs. La Bible nous dit dans Romains que le salaire du péché c'est la mort. Donc c'est la loi de Dieu, de ces rois-là. Il faut que cela s'accomplisse. Alors, quand maintenant la mort est entrée, l'homme est mort. Ici, nous insistons sur le fait que Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, créé par Dieu, il devait vivre éternellement dedans. Amen. Alors, quand il a péché, toutes choses ont changé. La mort est entrée, comme Dieu l'avait prévu. Tout le monde sait. Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas perdu un proche. Hein? On ne peut pas vraiment comprendre ce que la mort fait. C'est Dieu qui a fait ça. C'est-à-dire que la mort fasse mal à l'homme. Parce que c'est la chose la plus pire qui soit arrivée à l'homme sur la terre. Voilà pourquoi nous pouvons tout accepter sauf la mort. Devant la mort, l'homme a peur et nous fuyons. Alors, quand la mort est entrée, le lion a grondé. Parce que le lion avait prévenu, le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors, quand l'homme a péché, le lion qui a édicté sa loi, il a grondé. Remarquez, c'est lui qui a vécu ces choses. La Bible dit que quand il a péché lui-même, il a compris la situation. Il a pris fuite. On ne fuit pas les caresses. Vous comprenez ça? Adam, lui, il a compris très bien la situation parce qu'il était prévenu. Il a pris fuite. Parce qu'il savait que maintenant la colère va se déchaîner. Amen. Voilà pourquoi quand maintenant Dieu vient, nous allons nous épargner certaines lectures. Mais c'est important quand même que nous lisions celle-là. Lisons à partir de chapitre 3, à partir des versets 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence,
elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ses ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, amen. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux. » C'est-à-dire le châtiment tombe. Tu mangeras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et la postérité de celle-ci. Celle-ci et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il se tourne maintenant vers la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il se tourne vers l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Comme Dieu l'avait prévenu, il est venu, il a grondé. Il a châtié. C'est-à-dire que ça, c'est l'épée qui frappe. Le jugement vient de tomber. Amen. Amen. Maintenant, je disais que quand Adam a péché, Adam comprenait très bien la situation, que le père allait se fâcher. Donc les lions allaient grogner. Voilà pourquoi il a eu peur et il s'est caché. Mais maintenant, au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance des biens et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. Quand Dieu vient maintenant sanctionner l'homme, «
voyons maintenant entre l'homme et Dieu un animal intervenir. C'est-à-dire, après que le lion ait grondé, utilisé l'épée, nous voyons maintenant l'intervention de l'animal. L'enseignement qui court sur la terre, parce que vous allez entendre, il y en a beaucoup qui ont déjà aussi entendu parler d'Apocalypse. Tout le monde s'est dit que non, Jésus a combattu à la croix pour nous sauver. C'est bien. Ici, nous ne voyons pas cet animal-là en train de combattre. C'est très important. C'est-à-dire, entre la colère de Dieu et l'homme, il y a eu un animal qui s'est intercalé. Et la colère de Dieu a laissé. Au fait, c'est ça. L'animal a intercalé, s'est intercalé entre Dieu et l'homme pour baisser sa colère. C'est ce que le prédicateur nous a dit l'autre jour. Que quand le lion gronde là-bas, ça c'est un trône de jugement. La seule chose qui peut arrêter le jugement, c'est le sang. Je répète. Nous n'avons pas vu ici cet animal combattre les diables pour sauver Adam. C'est très important. Cet animal vivait tranquillement dans les jardins. Il pouvait aussi continuer sa vie aussi tranquillement. Mais cet animal est venu au secours de l'homme. L'animal s'est offert lui-même pour s'intercaler entre le lion et l'homme. L'animal a accepté de mourir pour que son sang colore le trône. C'est important que nous insistions sur ça. Parce que si nous saisissions ça, nous comprenons alors la suite de l'enseignement. Parce qu'on va nous parler de l'agneau. L'agneau est intervenu pour changer le trône de colère au trône de grâce. C'est-à-dire que pour que le lion se calme, il n'a pas combattu. Ni l'agneau qui s'est offert n'a pas combattu. Dieu n'avait pas combattu les diables. L'agneau ici n'a pas combattu les diables. Ici nous ne voyons pas les diables. C'est très important. Amen. Parce que quand l'Écriture dit que l'agneau, le lion a vaincu, c'est ça qui tue le monde entier. Il a vaincu. Ah, donc, il a combattu pour vaincre. Il pouvait combattre qui? Et le diable. C'est ça la tombe de tous les hommes sur la terre. Nous sommes les privilégiés. Même dans le monde de l'Évangile éternel. Parce que je vous dis que dans tout le monde de l'Évangile éternel, ils ne savent pas ça. Amen. Il n'y a que Paris montré qui c'est ça. Amen. 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 Donc, Dieu n'a pas eu à combattre le diable, ni l'agneau qui s'est offert n'a pas eu à combattre le diable pour sauver l'homme.
Mais l'agneau est venu, s'est donné comme sacrifice. C'est un sacrifice, je répète. Et ce n'est pas le diable qui a tué l'agneau. Jamais, non. Parce que si nous disons que Jésus-Christ a combattu, or à la croix il est mort. C'est-à-dire le diable a tué l'agneau. Ce serait la tombe. Le sacrifice de l'agneau, l'agneau s'est offert lui-même. Quand il est monté à Gethsémane, Dieu lui a montré le plan de la rédemption. Il a vu l'homme dans la décadence. Il a vu Adam dans la perdition. Parce que le jour où Adam a péché, le deuil a commencé dans cette maison-là. Vous comprenez? Et Jean a vu tout cela, il a commencé à pleurer. Donc, nous sommes perdus. Voilà pourquoi Jésus avait aussi pleuré. Amen. Notre bien-aimé Lazare. Voilà pourquoi il dit aussi dans Ecclésiaste 9, je crois, qu'il faut aller dans la maison des deuils en pleurs. 7. Hein? Toute écriture concerne d'abord Dieu lui-même. La maison des deuils, c'est-à-dire la maison d'Adam. Fallait que lui, il vienne dans cette maison-là de deuil. Voilà pourquoi il est parti visiter notre bien-aimé Lazare. Et pour montrer que c'était le deuil, il a aussi pleuré. Amen. Amen. Si même les enfants comprennent, le monde a des problèmes. Il a pleuré Lazare, comme Jean qui pleure, parce que c'est le deuil. L'homme vient de perdre l'immortalité. C'est ça. Parce que dans le jardin d'Éden, on devait vivre éternellement, on ne devait pas mourir. Mais quand le péché est entré, nous sommes morts. C'est très important. Voilà pourquoi, depuis là, le problème de l'homme sur la terre, c'est la mort. Oh, comme l'homme aimerait changer cela. Il y en a même qui font des clonages pour espérer corriger cela, vivre éternellement. Mais le clonage, ce n'est pas la vie éternelle. Les scientifiques essayeront toutes les méthodes, ils ne réussiront pas. Amen. Parce que nous vivons effectivement éternellement. C'est-à-dire, nous retournerons dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, quand l'agneau est venu faire le sacrifice, le but est que nous puissions retourner dans le jardin d'Éden, mettre fin à la mort. Pour que nous retrouvions l'immortalité, l'incorruptibilité. Comment dire notre père? L'incorruptibilité. C'est-à-dire, retrouver notre état initial. Où on ne péchait pas. Où nous n'allons pas pleurer comme Paul. Paul regarde et dit que, mais non, en moi il y a le bien. Mais je suis incapable de le faire. Alors que j'aimerais bien faire le bien, mais je suis incapable. Parce que nous avons perdu l'incorruptibilité. Il y a une force qui nous attire toujours vers le mal. Voilà pourquoi au temps de Noé, Dieu a regardé la terre. Ah, je regrette d'avoir créé l'homme. C'était pour montrer que l'Éden était là. L'homme avait été perdu dans le péché. Parce que son cœur le conduit toujours vers le mal.
Ça veut dire que l'homme est incapable de faire le bien. Tout ça parce que nous avions péché. C'est ça qui nous attire aussi, nous, aujourd'hui. Dieu a mis en nous ce désir-là de l'incorruptibilité. Pour que nous puissions, chacun de nous, retrouver notre état initial. Voilà pourquoi nous vivons sur la terre. C'est-à-dire, nous retournerons dans les jardins d'Éden. Où nous vivrons avec les animaux. Comme avant, les lions ne pouvaient pas manger Adam. Adam venait, il caressait l'agneau. Comme celui qui est assis sur le trône avec les deux là à côté. C'est-à-dire, il est l'ami des animaux. Amen. Donc le deuil a commencé depuis la chute d'Adam. C'est ça qui a fait pleurer Jean. Les prédicateurs insistaient sur le pleurer beaucoup. C'est-à-dire Jean pleurait beaucoup. Et que quand on lit en français, ah donc il a commencé le matin jusqu'au soir, hein? Ça s'est déjà pleuré beaucoup hein? Pour l'homme normal. Il ne s'agit pas de ces pleurs-là. C'est vrai que quand nous perdons un être cher, nous pleurons beaucoup. Hein? Mais il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire, depuis que Adam est mort, jusqu'à ce que nous soyons récupérés, il s'est passé un long moment. Tous les prophètes qui venaient sur la terre, ils venaient dans la maison de Dei. Les Dei a duré longtemps. Vous comprenez? Jusqu'à ce que l'agneau vienne s'intercaler, les Dei a duré longtemps. Les prophètes ont voulu connaître ces temps-là. Dieu leur a dit non. Vous ramenez seulement les lions en bas. C'est ça votre tâche. Amen. C'est ça pleurer beaucoup. C'est-à-dire, cela a duré longtemps. Mais Dieu a prévu sa fin. Sa fin, c'est le sacrifice de l'agneau. À Gethsemane, il regarde. Ah! C'est pourquoi il a sué des sang. C'est-à-dire, c'était difficile. Mais il dit que ta volonté s'efface. C'est-à-dire, j'accepte de me sacrifier pour Adam. Et il a été sacrifié. Dieu a pris la peau, il l'a donnée à Adam. Et nous avions dit que ce sacrifice de cet animal, c'est le même sacrifice que nous voyons sur la terre tous les jours de notre vie. À midi, nous avons sûrement mangé des sandwichs au travail. Et ceux qui étaient à la maison, nous avons mangé du poulet. Tout ce que nous mangeons, que ce soit les légumes, les sacrifices continuent. C'est-à-dire, pour que tu vives, il faut que le poulet, hein, se sacrifie pour que tu vives. C'est ça l'enseignement de la nature. Pour que tu vives, il faut que la pomme se sacrifie. Pour que toi tu manges, tu vives. C'est ça le sacrifice que nous avons vu dans les jardins d'Éden. C'est-à-dire, pour que l'homme vive, il faut que la vie lui soit transmise. Mais comme la pomme nous transmet la vie du deuil. Voilà pourquoi nous tenons des boucs pour un temps. Mais la finalité est que nous devenons, c'est la mort. Vous comprenez? Que Dieu bénisse les pommes et la nature qui se sacrifie pour nous. Parce que cela est un enseignement. Mais nous avons besoin du vrai pomme.
qui doit nous transmettre l'incorruptibilité. Amen. Nous avons besoin du vrai poulet qui doit nous transmettre l'incorruptibilité. La pomme, tu fais une bonne chose, mais en toi, il n'y a pas l'incorruptibilité. Le geste est louable. Que Dieu te bénisse. Amen. La, le coq, le tu saumon. Fais une bonne chose. Le saumon. Le saumon. Tu es un ragoûtant. C'est une bonne chose. Mais en toi, il n'y a pas l'incorruptibilité. Mais ton geste, nous l'apprécions. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Voilà pourquoi Paul insiste. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tout ce qui est dans la nature nous ramène à Jésus-Christ. Nous ramène à notre condition sur la terre. Vous savez, souvent, dans l'évangile éternel, les gens nous disent que nous n'avons pas l'amour. Hein? Ils trouvent que non. S'ils partent, s'ils sont ici, ils partent, nous, on doit suivre derrière. Et non, ma sœur, oh non, mon frère, il faut revenir. Nous ne sommes pas comme ça. Dire attendre. Et c'est ça l'amour. Et c'est ça l'amour, ma sœur. C'est-à-dire que si tu es ici, cette parole ne te retient pas. Comment veux-tu que nous? C'est ça. Parce que toi, tu as la force de retenir une âme. On te cherche des problèmes. On te donne la vraie liberté. De retenir, c'est enseigner. Voilà pourquoi nous faisons notre job. De te retenir. C'est ça le job. Hein? Te donner la parole pour qu'elle te retienne. Et c'est ça ce que Jésus a fait. Quand Jésus est venu, il a trouvé 11 vases. Il a transféré la parole, il s'est transféré dans ces 11 vases. Quand on voulait l'attraper, non, j'ai le travail. Il a fait le travail jusqu'à la fin. Après, je suis resté vide. Vous pouvez. Vous comprenez? Amen. Alors, quand ils ont cru tuer Jésus, ils ont entendu l'oreille haut. Oh, mais c'est lui qu'on a tué, mais. Il s'est reparu. On l'entend là-bas. Vous comprenez ça? Pierre ne savait pas que Jésus était déjà déversé en lui. C'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Il veut se camoufler. Près du feu. Une femme vient. Une femme. Fallait qu'il ne parle pas. Son problème, c'est celui-là. Fallait pas parler. Même en niant. Toi, tu ne parles pas comme tout le monde. J'ai déjà entendu ça quelque part. Tu parles comme le monsieur là. Ça, c'est le témoignage pour montrer que Jésus était déjà dedans. Notre travail, c'est de rentrer Jésus en vous. Amen. Qu'il soit bien formé en vous. Si Jésus est bien formé en vous, même si tu te retrouves à la lune, nous ne serons pas derrière toi pour te retenir. Non. Au contraire, nous sommes l'église qui chasse les gens, comme lui-même. Vous comprenez? Il s'est tourné vers les apôtres après avoir chassé ceux qui aiment manger. Hein? Ils ont mangé le pain et le poisson. Ah! Ça, il fait de vrais miracles. Hein? Lui, vraiment, c'est un homme de Dieu. Parce que nous allons bien manger à les suivants. Ils ont commencé à suivre. C'est ça. Après, il les a chassés. Il ne s'est pas arrêté là. Il se tourne. Et vous, partez aussi. Pierre les regarde. Nous, partir. Ils ont refusé de partir. Amen. Que non, c'est toi qui as les paroles de Dieu. C'est-à-dire, ils ont refusé de partir.
Parce que cette parole est succulente. C'est ça la vie éternelle. Amen. C'est ça l'incorruptibilité. Amen. C'est ça qui fait que nous soyons différents de tous les hommes sur la terre. Nous ne suivons pas les salles, les belles salles. Partout, ils vont dans des grandes salles. Il y a même des églises à Rex. Hein? Rex, il faut rentrer dans la salle pour voir. Mm-hmm. J'ai déjà été une fois invité là-bas. Il faut voir la salle. Quand tu rentres, tu te dis, non, Dieu est ici. Mais c'est ça ce que les mages ont fait. Ils suivaient l'étoile dans la forêt, dans la brousse, dans le désert. Quand ils ont regardé, au lieu de continuer de regarder en haut, et ils ont regardé en bas. Oh, quelle belle ville! Le roi doit naître ici. Le révérend Hérode. Ils sont entrés dans cette église-là. Vous comprenez ça? Ils viennent dire à Hérode, nous venons chercher le roi qui est né. Le roi qui est né. Il appelle ses sages. Ils lui disent, bon, nous savons que le roi naîtra. Mais et ils disent, le roi est né. Ça, nous... Il n'est pas sage. Vous comprenez ça? La beauté de l'église, de la salle. Non. Nous, ce qui nous attire, c'est ces paroles. C'est ça l'incorruptibilité. C'est ça l'œuvre de l'agneau. Amen. Amen. L'évangile éternel vient révéler tous les mystères de Dieu. Parce que comme nous disons toujours, Dieu est un Dieu caché. Si Dieu n'était pas caché, toutes les églises sur la terre, tous les hommes sur la terre allaient les prier. Parce que je vous dis que l'homme, la Bible dit toujours dans Ecclésiaste, que Dieu a mis la pensée de l'éternité en nous. Dans chaque homme, qu'on ne vous trompe pas. Même s'il déclare qu'il est athée. Non, la pensée de l'éternité est en lui. C'est pourquoi même quand si on découvre des gens dans la forêt équatoriale ou Amazonie qui n'ont jamais vu la civilisation, vous allez voir que ces gens-là, ils adorent un certain Dieu. Mais puisque Dieu est tellement lointain, Dieu est tellement mystérieux, ils vont aller dans la forêt, couper l'arbre, donner une forme à l'arbre, dire que c'est toi Dieu. L'arbre que toi-même tu as donné la forme, c'est Dieu. Ils vont même prendre les offrandes pour faire manger cet arbre-là. Je vous informe que l'arbre ne mange pas. Il y en a qui vont aller chercher de pierre. Ils vont façonner. Il y en a qui vont aller chercher des pierres précieuses, fabriquer des chapelets. Parce que le véritable Dieu ne peut pas être représenté. Il est esprit. Quelle est la forme de l'esprit? Il ne peut pas être représenté. C'est cette pensée de l'éternité qui se manifeste dans chaque homme. Ce qui veut dire que même quand tu dis que Dieu n'existe pas, tu mourras un jour. Ça prouve que Dieu existe. C'est-à-dire qu'il y a une loi suprême qui est supérieure à toi. Amen. Tu dis que Dieu n'existe pas, mais tu es un homme ou bien tu es une femme. Tu n'as pas choisi d'être homme ou femme. Ton destin, tu ne le maîtrises pas. Mais arrogant que tu y es, Dieu n'existe pas. Même sur les lits de l'hôpital, ils le reconnaissent. Amen. À la fin, avant d'expirer, ils reconnaissent que non, Dieu existe. Mais nous, Dieu nous a fait grâce de le savoir déjà de notre vivant. Amen. Et dans notre jeunesse. Amen. Bien que nous avons des barbes blanches,
mais nous sommes des jeunes. Pour que les restants de notre jour, nous venions ici pour connaître davantage ce Dieu-là. Dieu nous invite ici pour se révéler à nous, que nous connaissions notre Père. Voilà le pourquoi de l'évangile éternel. C'est-à-dire révéler Dieu. Amen. Amen. C'est ça la grâce que nous avons. Donc, l'Apocalypse n'est que le résumé de tout ce que Dieu a prévu du commencement jusqu'à la fin. De la chute d'Adam jusqu'à son relèvement. Et parle maintenant de la suite des temps jusqu'à l'enlèvement et jusqu'à le millénium et le jugement dernier. Amen. Aujourd'hui, les gens, Apocalypse, la fin du monde. C'est bien. Mais nous, on n'attend pas la fin du monde. Nous, nous attendons que celui qui est descendu vienne nous chercher. Parce que quand il est descendu, il est venu vers Israël. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous sommes sur la terre. Le trône est au ciel. Israël l'a rejeté. Il n'est pas remonté tout de suite. Il est parti visiter un autre peuple sur la terre. Nous. Amen. 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 Lui, il est monté parce qu'il a dit que nous et lui, nous sommes devenus un. Ça, c'est un esprit. Amen. Mais un jour, il viendra nous chercher dans la chair pour que nous puissions monter. Amen. 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 C'est très important. C'est-à-dire, quand il est venu, il est descendu. Israël l'a racheté. Donc il est venu vers le sien. Et les siens ne l'ont point reçu. Il n'est pas remonté tout de suite. Il est tourné le dos au sien. Il est parti dans le désert. Comme Moïse. Pour chercher les sept filles de Jéthro. Amen. Amen. Mm-hmm. Quand il trouve son épouse, or l'épouse, c'est la côte de l'époux. Il a fait que nous soyons un avec lui, en esprit. Voilà pourquoi il est monté. Mais nous, nous sommes restés sur la terre. Nous sommes dans Jean 17. Alors il demande au Père de prendre soin de nous sur la terre. Il demande au Père de nous garder par sa parole. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut nous garder. Amen. Je répète, c'est l'incorruptibilité. Dieu ne peut pas nous garder autrement qu'au travers de sa parole. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà comment Dieu nous garde. C'est en nous amenant ici pour l'écouter. Amen. Pourquoi il doit nous garder? Pour attendre ces jours-là. Les jours de l'enlèvement. Amen. La fin du monde ne peut pas encore venir. Mais avant l'enlèvement. Non. Amen. Tout ce que vous entendez, le monde continuera à être agité. Il continuera à donner des années. À l'antenne, il y aura la fin du monde. Rien ne réussira. Mais il y aura un jour de disparition sur la terre. Amen. C'est ça. Croyez cela. Nous partirons, c'est-à-dire notre chair montera aussi. Pour que là où il sera, nous y serons. Et quand il s'assiera là-bas pour juger le monde, nous serons à ses côtés. Voilà pourquoi la Bible dit que nous, nous jugerons le monde. Parce que la reine est aux côtés du roi. Amen. 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 Jésus est un roi. Quand il est venu vers les Juifs, et dans leur histoire, ils savent qu'ils connaissent toujours les calamités. Mais Dieu suscite toujours un libérateur.
qui les vient toujours en aide. Ils savent ça. Même quand ils étaient en Égypte, ils savaient qu'un jour, quelqu'un s'élèvera. Dieu enverra quelqu'un qui nous sortira. Un jour, il a sorti Samson. Tout seul, il a libéré Israël. Il a tué tous les Philistins. Un jour, il a sorti Moïse. Il a combattu pour eux. Il les a sortis de l'Égypte. L'histoire d'Israël a toujours été comme ça. C'est ça ce qu'ils savent, eux. Alors, ils savent qu'un jour, comme le Messie, oui, le Messie viendra, il viendra nous libérer. Amen, le Messie viendra les libérer. C'est-à-dire, physiquement, le Messie viendra les libérer, je dis. Le lion viendra grogner. Le lion combattra contre les nations comme il le faisait avant. Amen. 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 Mais nous, nous serons déjà partis. Avec l'Égyptienne. C'est vous l'Égyptienne. Amen. 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 C'est ça, ce sera l'Armageddon. C'est-à-dire la troisième guerre mondiale. Un jour, Israël, aujourd'hui, il s'appuie sur les États-Unis et les autres. Mais un jour, c'est le monde entier qui attaquera Israël. Ça, c'est une prophétie. Amen. Même le Congo. Et ça accomplira. Tout le monde, Dieu fera que Israël n'ait personne vers qui se tourner. Même les États-Unis seront contre eux. Même la Cameroun. Tout le pays. C'est alors que leur seul ici sera Dieu. Amen. Le lion descendra. Amen. Amen. Il combattra pour Israël comme il faisait avant. Amen. Le trône de grâce, c'est le lieu très saint. Voilà pourquoi les sacrificataires, pour apaiser Dieu et demander pardon pour les peuples, rentraient avec le sang. Il faisait l'aspersion sept fois. C'est-à-dire, il colorait chaque marche du trône. Amen. Et le trône devenait rouge. Amen. Pour une année seulement, dans l'ombre. Et nous savons qu'une année, c'est l'année de grâce. Amen. L'agneau s'est offert, son sang a couvert le trône, la colère, pendant le temps de grâce, une année. Et le temps de grâce, sa fin, c'est l'enlèvement. Quand l'enlèvement se fera, le trône redeviendra blanc. Amen. 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 Parce que si le trône est toujours couvert, le lion est muselé. C'est ça. Dans sa cage. Dans sa cage. Il est sans force. Vous comprenez? Amen. Mais remarquez. En Égypte, quand le lion est venu gronder, tuer, personne l'a arrêté. Dieu leur avait dit, le lion a une seule faiblesse. Amen. Listen. Amen. Alors ne mettez pas le sang dans toute l'Égypte. Parce que le sang n'est pas sur toute l'Égypte. C'est ça. Mettez seulement dans vos maisons. Toutes les maisons d'Israël ont formé une maison. Amen. Les trônes. C'est ça. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Alors tous ceux qui étaient cachés par le trône, ils ne les voyaient même pas. Même si tu es un menteur, ils ne te voient pas. Ils les sont en fait devenir Dieu avec. Oh Dieu avec. Mais à l'origine, mais le sang ne change pas la nature du lion. Non. Le contraire. Le lion reste lion. Dans sa cage. Au contraire, la présence du sang fait que là où il est. Bouillonne. La colère augmente. Il attend seulement que la cage s'ouvre. Et la cage s'ouvrira un jour. Amen. Voilà pourquoi. Il veille à ce que quand la cage s'ouvrira, nous ne soyons plus là-bas, ici sur la terre. C'est ça. Amen. Nous bénissons Jésus-Christ qui viendra nous chercher. Amen. Avant de détruire Sodome, nous sortirons. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez comment il nous aime. Le lion a peur, il n'a rien à manger. Voilà, ça. Le lion sortira un jour. Il est beau. Voilà pourquoi le prédicateur nous a dit que ça, c'est aussi les sept trompettes. Et les sept trompettes, c'est ça qui nous conduisent dans les calamités. Amen. Amen. Ces choses-là ne sont pas spirituelles. Ce sont des choses qui arriveront sur la terre, on les verra comme ça. Que Dieu fasse grâce à chacun que nous ne vivions pas ça. Nous partions avant. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à ces dieux pendant les temps de grâce qu'il nous donne. Pendant que le trône est encore rouge du sang de l'agneau. Le moment est là. Mais pendant ce temps-là, c'est le diable qui nous distrait. Le diable nous distrait par des belles salles. Le diable nous distrait par des gens aussi qui parlent bien. Parce que Branham aussi a parlé de l'Apocalypse. La terre entière l'apprécie, hein. Tous les pasteurs que vous voyez des églises évangéliques, ils lisent Branham. Ils ont des brochures, ils lisent, ils viennent prêcher. Mais ils ne se font pas des branhamistes. Ils lisent en coulisses. Voilà pourquoi nous disons tout haut que Branham était serviteur du diable. Nous démontrons ses erreurs. Parce que comment tu vas nous amener dans le seau avant de nous parler de tout ça? Même Branham ne sait pas que l'agneau c'était juste les sacrifices. Et que le lion n'a pas combattu avec les diables pour nous sauver. Il ne sait pas ça. Il sait pas. La terre entière, personne ne le sait. C'est ça. C'est ça la grâce que nous avons. Amen. Que Dieu nous fasse grâce que nous saisissions ces choses. Amen. Jésus disait aux apôtres, vous êtes heureux de vivre ce que vous êtes en train de vivre, de voir. C'est-à-dire, celui qui a créé le ciel et la terre était avec eux, il était en train de marcher avec eux. Il est avec nous. Il est en train de marcher avec nous. Nous sommes un peuple privilégié. Que Dieu nous fasse grâce de saisir ces choses. Mais nous savons que nous n'avons qu'à annoncer. Nous n'avons rien d'autre à faire qu'annoncer. Présenter Jésus. Et c'est lui qui continue le travail en vous. Si vous n'avez pas été avec lui au commencement, il ne viendra pas vous chercher. Si vous n'étiez pas en Jésus dans l'éternité, ces choses vont vous paraître mystères. Vous ne saisirez pas. Parce que c'est sans effort. Il a mis dans ses enfants cette capacité-là. La capacité qu'a chaque enfant dans le ventre de sa mère de reconnaître la voix de son père. Amen. Ça, c'est les médecins qui le disent. N'est-ce pas, mon bien-aimé? Amen. Ah, parce que eux de la médecine, ils savent. Donc, les médecins, c'est eux qui le disent. Que l'enfant a la capacité là de reconnaître la voix de son père et de sa mère. C'est naturel. Voilà pourquoi Jésus a dit que les miens entendront ma voix. Il est question de la voix. Et la voix, c'est l'évangile éternel. Amen. 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 Mais quand Dieu parle, le diable aussi doit parler. Comme nous ne le répéterons jamais assez. Quand Dieu a parlé dans son royaume, le jardin d'Éden, le diable est venu aussi prendre ces paroles-là. C'est devenu son fond. Seulement lui, il enlève, il ajoute, ou il interprète mal. C'est comme ça qu'il vient. Mais quand toi tu vas entendre quelqu'un te parler de Jésus, lui, ah, c'est un homme de Dieu. Parce que dans la nature humaine, c'est ça ce que nous avons. C'est-à-dire, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui parle de Dieu. C'est normal, non? C'est normal.
Selon les Français. Selon les Français. C'est pourquoi justement le diable le sait. Dieu avait dit un mot qui échappe au monde. Dieu avait dit que le serpent est le plus rusé des animaux des champs. Les gens ne font pas attention à ça. Si le diable venait comme ça, sans ruse, Dieu serait menté. Seulement quand Dieu a dit ça, c'est seulement ses enfants qui comprendront cela, qui feront attention. L'évangile éternel, c'est la parole de Dieu dans laquelle on n'a rien ajouté, rien retranché. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Toute parole sur la terre, toutes les églises sur la terre, ils ont un nom. Et le nom, nous disons, ce n'est pas seulement Bethel. Ça, c'est la manifestation du nom. Toutes les églises qui n'ont pas la parole vérité dans toutes choses, dans laquelle on n'a rien ajouté, rien retranché, ils ont un nom. Le nom s'appelle Babel. Le nom s'appelle Babel. Même s'ils écrivent Bethel, non, leur nom c'est Babel. Parce qu'elles, ils ont commencé en bas pour monter au ciel. Amen. Alors que nous savons que lui, c'était un roi au ciel. Et il est né sur la terre. Il est venu. Un roi né. C'est ça. Amen. C'est-à-dire, il n'est pas devenu roi sur la terre. C'est pourquoi quand Pilate l'interroge, il dit, mais si mon royaume était de la terre, personne ne pouvait me toucher. On ne me présentera pas devant toi. Parce que même l'autorité que tu as là, de m'interroger, c'est moi qui t'ai donné. C'est moi qui t'ai donné dans mon royaume. Ah, Pilate est poli. Vous voyez ça? Donc son royaume était du ciel et il s'est retrouvé sur la terre pour faire un travail. C'est ça le plan de la rédemption. Amen. Et le travail de l'agneau continue jusqu'à ce jour-là où nous partirons pour que le sang sèche. Hein? Sécher de venir. Le rôle du sang prend fin. Vous comprenez ça? C'est pourquoi dans le lieu très saint, personne ne pouvait entrer parce qu'il y avait un lion là-bas qui grondait. Quand tu entres, tu meurs. Vous comprenez ça? Parce que les lions étaient en colère là-bas. Même si tu es souverain sacrificateur, mais si tu ne viens pas bien, il te mange. Vous voyez ça? Dieu nous montrait par cela qu'il est un lion là-dedans. Mais seulement quand le sacrificateur rentre avec le sang, il est faible. Il ne peut rien faire. Il a faim, il ne peut pas manger. Nous bénissons Dieu parce que nous connaissons sa faiblesse. Amen. Nous sommes les peuples qui connaissent les faiblesses de Dieu. Amen. Le sang de l'agneau. Que Dieu bénisse Jean-Baptiste. Parce que Israël ne l'avait pas compris. C'est nous qui le comprenons. Amen. Quand il a regardé, oh, c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. L'agneau de Dieu qui affaiblit les lions. Amen. Et nous sommes la postérité de cet agneau-là. Nous sommes un peuple béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Solo una unité in
tinda ngara boya yo Yesu. Oh, ona landa yo, ona wo, mengote, ina landa yo kora bo, tuite. Chima tujuete, ide. Moi, je confesse, je dis.